Après ce combat emplumé, reprenons notre souffle et disons les choses clairement. Oui, depuis quelque temps, c'est la mode en ce pays-ci. Autrefois, on appelait les coqs tambour-maîtres ou bec-tésiers. Maintenant, on leur donne des noms d'hommes politiques. Christophe par-ci, Pétion par-là. Au début, je n'aimais pas ça, mais quand on y réfléchit, mon Dieu, pourquoi pas ? Ça n'est pas une mode plus absurde que d'autres. Un roi, un président de la République, forcément ça se bouffe le nez. Et si ça se bouffe le nez, ça fait de bons noms de coqs de combat. Mais, me direz-vous, si du côté des coqs les choses sont simples, elles sont beaucoup plus compliquées du côté des hommes. Pas tellement. L'essentiel est de comprendre la situation et de connaître les personnages dont les coqs portent les noms. Qui c'est Christophe ? Qui c'est Pétion ? Tout mon rôle consiste à vous le dire. Oui, Christophe fut roi. Roi comme Louis XIII, Louis XIV, Louis XV et quelques autres. Et comme tout roi, tout vrai roi, je veux dire tout roi blanc, il créa une cour et s'entoura d'une noblesse. Mais il ne faut pas en dire trop. À tout seigneur, tout honneur, voici Henri Ier. Henri avec un Y. Pour moi, je me tais. À vous, Haïti. En votre qualité d'ancien compagnon de Toussaint Louverture, en votre qualité de plus ancien divisionnaire de l'armée, le Sénat, par un vote unanime, vous confie la présidence de la République. La loi est formelle, la place en effet me revient. Mais ce que la loi fondamentale de la République me donne, une loi votée dans des conditions de légalité douteuse me le reprend. Le Sénat me nomme président de la République, Pétion, parce qu'il y aurait danger à me frotter à rebrousse-poil. Mais la fonction, il la vide de sa substance et mon autorité de toute moelle. Oui, oui, mes maîtres, je le sais que dans votre constitution, Christophe ne serait rien d'autre que le gros bonhomme de Bois-Noir, le Jacquemart débonnaire, occupé à frapper de son épée dérisoire et, pour l'amusement des foules, les heures de votre loi sur l'horloge de son impuissance. Vous rendez mauvaise justice au Sénat. La magistrature que nous vous offrons garde lustre et importance. C'est la plus haute de la République. Quant aux modifications que le Sénat a coup de voir apporter à la Constitution, je ne nierai pas qu'elles diminuent les pouvoirs du président, mais il ne vous échappera pas non plus que pour un peuple qui vient de subir des salines. Le danger le plus redoutable s'appelle d'un nom, la tyrannie. Et en vérité, le Sénat eût été impardonnable de ne pas prendre contre la menace toujours suspendue sur nos têtes les mesures de sauvegarde qui s'imposent. Je ne suis pas un mulâtre à tamiser les phrases. Je suis un soldat, un vieux prévôt de salle. Et je vous le dis tout net, le changement apporté à la Constitution par le Sénat constitue une mesure de défiance contre moi, contre ma personne. Une mesure à laquelle ma dignité ne me permet pas de souscrire. Un pouvoir sans croûte, ni mie, une rognure, une raclure de pouvoir. Voilà ce que vous m'offrez, Pétion, au nom de la République. Je regrette de m'être mal fait comprendre. J'ai parlé principe et vous vous obstinez à parler de votre personne. Mais il faut en finir. Est-ce là la réponse que je dois rapporter au Sénat ? Comme Pétion serait heureux de me prendre au mot. Et pourquoi dites-vous cela ? Parce que Pétion est intelligent, très intelligent. Il ne peut s'empêcher de penser que si Christophe refuse le pouvoir, c'est à Pétion qu'il sera offert. Diable ! Pourquoi accepterais-je ce que vous dédaignez ? Ce que vos dents agacées rejettent comme un âcre sauvageon ? Pourquoi ma bouche l'apprécierait-elle comme une pomme douce ? C'est que Pétion est intelligent, très intelligent. Dès que le mulâtre Pétion aura accepté le pouvoir vide qu'en effet vous m'offrez,
Le miracle se produira. Les mulâtres de Port-au-Prince, nos bons amis du Sénat, s'emploieront merveilleusement à jouer les fées compatissantes et d'un ample douaire à lui remplir la corbeille. Mais prenez, Pétion, prenez, vous verrez. Ce sera la sébile merveilleuse. En sorte que la modification de la Constitution n'est qu'un moyen grossier de m'écarter du pouvoir. Ce couleur de me le confier. Et vous vous laissez écarter. Foutre tonnerre ! Me laissez écarter, moi ! Et non, Pétion. Non ! Lorsque vous enseignez à un macaque à lancer des pierres, il arrive à l'élève d'en ramasser une et de vous casser la tête. Dites cela de ma part au Sénat, il comprendra. Le Sénat comprendra qu'il n'a plus en face de lui qu'un général rebelle. Et puis, cela n'a pas d'importance. Si vous voulez une réponse officielle, une réponse noble, comme les aiment nos Solons et nos Lycurgues de Port-au-Prince, dites-leur que je regrette qu'en la circonstance et par esprit d'animosité contre ma personne, il n'ait pas compris qu'à l'heure actuelle et au milieu de nos traverses, le plus grand besoin de ce pays, de ce peuple qu'il faut protéger, qu'il faut corriger, c'est la liberté. La liberté, sans doute, mais pas la liberté facile. Et c'est donc d'avoir un État. Oui, monsieur le philosophe, un État. Quelque chose grâce à quoi ce peuple de transplantés s'enracine, boutonne, s'épanouisse, lançant à la face du monde les parfums, les fruits de la floraison. Et pourquoi ne pas le dire ? Quelque chose qui, au besoin, par la force, l'oblige à naître à lui-même et à se dépasser lui-même. Voilà le message, un peu trop long sans doute, que je charge mon officieux ami de transmettre à nos nobles amis de Port-au-Prince. Pour le reste, mon épée et mon droit. Dis donc, la belle, ce n'est pas du rapadou que je veux, c'est de trois doudous. Aïe, 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 aïe. L'agaçant, ce n'est pas ton agaçant, c'est autre chose qui me remue le sang. Oh, oh, oh. Agaçant. Parle de ta somme, mais te donner la somme, ma doudou. C'est étonnant quand même. Ce bateau qui, depuis 2 mois, se présente périodiquement à l'entrée du port et auquel on refuse le droit d'entrée. Innocent, tu ne sais pas ce que c'est? C'est la baleine qui tourne et vire dans son joli navire. Prenez garde à la baleine, elle va vous manger un droit. Traduction libre, c'est le bateau du roi de France. Si monsieur a besoin de trique pour soigner ses longs bagots, la cale en est pleine. En fait, quoi, monsieur? Et si le derrière de monsieur souhaite d'être taillé en carbonade, mêmement, il y a dans la cale de ce bateau de quoi satisfaire le vœu du derrière de monsieur. Ne dramatisons pas, monsieur. Qui sait si ce n'est pas un arrangement que ces gens-là viennent nous proposer? Mon Dieu, si cela peut éviter au pays une nouvelle commotion, pourquoi pas? Voyez-vous ça? Monsieur a le cœur fragile. Monsieur veut éviter des commotions. Pauvre ami, les arrangements n'y feront rien. Ni ta prudence, ni ta couardise. Comme il y a des femmes atteintes du mal caduc, et ça les prend n'importe où, n'importe quand, il y a des pays à commotion, des pays convulsionnaires,
Et le nôtre est du lot. C'est son lot. Tu comprends? Non, tu ne comprends pas. Ça ne fait rien. Allons, citoyens, rentrez chez vous. Ce bateau, ce n'est pas notre affaire. C'est celle de Christophe. Chacun son métier. À vous le travail libre, car vous êtes des hommes libres. À Christophe de nous protéger, nous, nos biens, notre liberté. Bien parlé. Un homme, ça oui, et qui en a le Christophe. Pas cette couille molle de Pétion. Paraît que pour se faire reconnaître par le roi de France, Pétion offre de verser une indemnité aux anciens colons. Un noir proposant de verser une indemnité à ceux que les noirs ont impudemment frustré du privilège de posséder les noirs. Christophe est un homme, oui. Pourtant, il y a dans la situation, pas au même degré que Pétion, bien sûr, de sa faute. Un peu. Faites attention, Vasté. Il y a des comparaisons blessantes. Blessantes et dangereuses. Blessantes et dangereuses. Ah oui, attention. C'est à vous, citoyens, que je dis attention. Vous en conviendrez. Les Français, et cela ne laisse pas de créer une situation dangereuse, nous tiennent en mince estime. Saisissez-moi bien. Que disent les Blancs de France? Que Christophe et Pétion sont deux faibles. Les Français, voyez-vous, n'ont pas de respect pour les républiques. Napoléon l'a bien montré. Et qu'est-ce Haïti, messieurs? Même pas une, mais deux. Deux républiques, messieurs. Citoyens, le monde entier nous regarde. Les peuples pensent que les hommes noirs manquent de dignité. Un roi, une cour, un royaume, voilà si nous voulons être respectés, ce que nous devrions leur montrer. Un chef à la tête de notre nation, une couronne sur la tête de notre chef. Et cela calmerait bien des têtes dont les venteuses idées peuvent à n'importe quel moment, ici, sur nos têtes, déchaîner la tempête. Vive Christophe ! Vive Christophe ! Vive Christophe ! Ouais ! Vive Christophe ! Vive Christophe ! Vive l'homme Christophe! Ouais! Vive l'homme Christophe! Assez! Qu'est-ce que ce peuple qui, pour conscience nationale, n'a qu'un conglomérat de ragots? Peuple haïtien, Haïti a moins à craindre des Français que d'elle-même. L'ennemi de ce peuple, c'est son indolence, son effronterie, sa haine de la discipline, l'esprit de jouissance et de torpeur. Messieurs, pour l'honneur et la survie de ce pays, allez, dispersez-vous! Ouais! Vive l'homme Christophe! Vive le roi Christophe! Ouais! Vive le roi Christophe! Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi! Je vais faire l'appel des noms et rappeler les principes généraux de la cérémonie. Une cérémonie importante, capitale, sur laquelle les yeux du monde entier sont braqués. Monsieur le duc, monsieur le comte. Oh mon frère, quelle histoire, ce roi, ce royaume, ce couronnement, on n'arrive pas à y croire. On n'y croit pas, mais on le sent, c'est ta race. Allons messieurs, allons, en place, en place. Allons, viens. Ce roi noir, un conte bleu, n'est-ce pas? Ce royaume noir, cette cour. Parfaite réplique en noir de ce que la vieille Europe a fait de mieux en matière de cour. Mon cher Vasté, je suis un vieux soldat. J'ai commandé sous Toussaint et Dessalines. Et je vous dirai tout franc que je suis mal fait à ces manières courtisanesques
dont vous avez l'air de faire vos délices. Cher collègue Magny, vous, le duc de Plaisance, tenir ce discours. Avec nos titres ronflants, duc de la limonade, duc de la marmelade, comte de trous bonbons, nous avons bonne mine, vous pensez? Les Français s'en tiennent les côtes. Homme de peu de foi, allons. Le rire des Français ne me gêne pas. Marmelade, pourquoi pas? Pourquoi pas limonade? Ce sont des noms à vous remplir la bouche, gastronomique à souhait. Hein? Après tout, les Français ont bien le duc de foie, le duc de bouillon, espluragoutant. Il y a des précédents, vous voyez. C'est à vous, Magny, parlons sérieusement. Avez-vous remarqué qui l'Europe nous a envoyé lorsque nous avons sollicité l'aide de l'assistance technique internationale? Pas un ingénieur, pas un professeur, pas un soldat. Un maître de cérémonie. La forme. C'est ça, mon cher, la civilisation. La mise en forme de l'homme. La matrice d'où monte l'être. La substance. Enfin, tout. Le vide, mais... Le vide prodigieux, générateur et plasmateur. Que signifie ce galimatia? Il y en a un qui le comprend d'instinct, c'est Christophe. Avec ses formidables mains de potier, pétrissant l'argile haïtienne. Je ne sais s'il sait, mais mieux, il sent, la flairant, la ligne qui serpente de l'avenir. La forme. C'est quelque chose, croyez-moi, dans un pays comme le nôtre. Au diable, vos rêveries d'esthéticien gourmet. S'il m'eût cru, au lieu de se faire oindre d'un peu de graisse de cacao et de se faire ceindre la tête d'une couronne, il se fût ceint les reins de son baudrier. Et l'épée au poing, nous eussions donné de l'éperon vers Port-au-Prince, où il y a tant de belles terres à prendre et de scélérats à pourfendre. Je ne suis pas un ferrailleur, oh non, pas un traîneur de sabre, pas un ministre galonné. Mais on a quand même sa petite idée sur la question. Génial, vous entendez? Génial, cette idée d'inventer une noblesse. C'est pour le roi une manière de baptiser qui il veut et d'être le parrain de tout le monde. Il est vrai que si les maris le laissaient faire, de tous les Haïtiens, il eût été non le parrain, mais le père. Voilà où nous en sommes, Vasté. Une cour, des nobles... Et le bouffon royal. Bouffon royal, hein? Bouffon royal. Depuis quelque temps, les titres pleuvent de partout. Celui-là en vaut bien un autre, ma foi. Je le recueille. Et je l'accueille. Bouffon royal. Bouffon royal. Attention, le voici. Le roi. C'est très bien, mais ça manque terriblement de femmes. Monsieur le maître de cérémonie, faites entrer ces dames et assignez à chacune d'entre elles sa juste place dans la cérémonie. Ah, madame du petit trou. Oh, madame de trou bonbon. Oh, madame de sale trou. Ah, madame du tape à l'œil. Oh, madame de la seringue, mes chères duchesses. C'est une haute pensée, messieurs. Et j'ai plaisir à voir que vous l'avez saisie dans toute sa plénitude, tout son sérieux profond. Ces noms nouveaux, ces titres de noblesse, ce couronnement. Jadis, on nous voilà nos noms, notre fierté, notre noblesse. Pierre, Jacques, Toussaint, voilà les estampilles humiliantes dont on oblitéra nos noms de vérité. Moi-même, votre roi, sentez-vous la douleur d'un homme de ne savoir pas de quel nom il s'appelle? À quoi son nom l'appelle? Hélas, seul le sait notre mère. L'Afrique. Eh bien,
griffu ou non griffu, tout est là. Je réponds, griffu. Nous devons être les griffus. Non seulement les déchirés, mais aussi les déchireurs. Allons, de nom de gloire, je veux couvrir vos noms d'esclaves. De nom de rachat, nos noms d'infamie. De nom d'orgueil, nos noms d'orphelins. C'est d'une nouvelle naissance, messieurs, qu'il s'agit. Hochet, sans doute. Secousse aussi. Îlot pierreux. Milliers de nègres demi-nus que la vague a vomi un soir d'où venus dans leur fumée de bêtes de chasse à cour. Secousse. Savane blanche, comme disaient nos ancêtres Bambara. Secousse. Puissance du dire, du faire, de bâtir, de construire, du refaire. Alors je les prendrai. J'en sais le poids, et je les porterai. Profiterisme, charismen Christophili, observare, ac invigirare, onos exhibeatus. Profitea. Excellence, par la grâce de Dieu et la loi constitutionnelle de l'État, nous vous proclamons Henri Ier. Souverain des îles de la Tortue, Gonaves et autres îles adjacentes, destructeur de la tyrannie, régénérateur et bienfaiteur de la nation haïtienne, premier monarque couronné du Nouveau Monde. Vive à jamais Henri! Vive à jamais Henri! Vive à jamais Henri! Je jure de maintenir l'intégrité du territoire et l'indépendance du royaume. De ne jamais souffrir, sous aucun prétexte, le retour de l'esclavage, ni d'aucune mesure contraire à la liberté et à l'exercice des droits civils et politiques du peuple d'Haïti. De gouverner dans la seule vue de l'intérêt, du bonheur et de la gloire de la grande famille haïtienne dont je suis le chef. Le très grand, très auguste roi Henri, roi d'Haïti, est couronné et intronisé. Vive à jamais Henri! Vive à jamais Henri! Vive à jamais Henri! Henri, vaillant guerrier, de la victoire ouvre-nous les portes. Henri, vaillant guerrier, civile en Haïti.
soulèvement dans le Nord contre Christophe. Ne vous avais-je pas dit d'achever les blessés? Celui-ci, général, est le chef des révoltés. Très bon. C'est vous, Métellus, le chef des rebelles. Moi-même. Pourquoi ce soulèvement? Quel grief nourrissez-vous contre Christophe? Parlez! Mené au dur foie d'un rêve, de pierre en pierre, j'ai buté jusqu'à ton seuil. Ô mort, dévalant et te citant. Bédoret, Ravina Couleuvre, la crête à Pierrot, Plaisance, lieu où il n'était pas plaisant d'être, j'ai connu cela. Percé jusqu'aux os par les pluies, par l'épine, par la fièvre, par la peur, avoir faim, dormir les yeux ouverts dans la rosée du matin, dans le serein du soir, la fuite, l'angoisse, ayant, quand nous prîmes au collet le sort, combattu avec tous ceux. C'était du beau sang à combat. C'était un beau sang rauque, et le manioc amer sans charpie nous refermait nos plaies. Foutre! Nous allions fonder un pays, tous entre soi. Pas seulement le cadastre de cette île, ouvert sur toutes les îles à tous les nègres du monde entier. Mais sont venus les procurateurs, divisant la maison, portant la main sur notre mère, aux yeux du monde, la défigurant. Trivial, pantin, piteux, Christophe Pétion! Je renvoie dos à dos la double tyrannie, celle de la brute, celle du sceptique hautain, et on ne sait de quel côté plus est la malfaisance. Maintenant, ô mort, je veux tomber comme un rêve hors parage, et je ne remercierai point du sursis. Faites exaucer le vœu de ce malheureux, qu'on lui donne le coup de grâce. Guerre civile en Haïti, siège de Port-au-Prince par Christophe. Rude journée. Beaucoup d'hommes sont tombés. De grands pans de ce pays, nôtre aussi, hélas, hélas, pauvre visage trop charpi de nos ongles. Garéchés, drouillards, déchaisels, trop belles balafres. Et puis l'odeur, sentez-vous ça, Vasté? Je ne suis pas un marin, mais j'imagine que de loin, ça doit être ça, Haïti, à la narine du découvreur. Cette odeur de sang séché qui vous racle la gorge. Cette fumée, ce moisi entêtant. Cette odeur d'holocauste non agréée des dieux. Par terre, de la poussière partout, du gravat, terre et chaume, le bousillage désassemblé. Oh, mettre tout cela debout, debout et à la face du monde, vasté et solide. Sire, je m'excuse, mais nous attendons l'ordre, l'assaut et l'impatience gagne les troupes. Laissons cela, Magny. Sire, jamais occasion n'a été plus belle. Pétion est aux abois. Embrassez votre fortune. Laissons cela, vous dis-je. Il n'y aura pas d'assaut. J'abandonne toute idée de campagne et d'abord le siège de cette ville. J'ai dépêché un émissaire à Pétion. J'espère qu'il comprendra que le moment est venu d'en finir avec nos querelles pour édifier ce pays et unir ce peuple contre un danger plus proche qu'on le croit et qui menace jusqu'à son existence même. Cela passe toute créance. Cette union est impensable. Il s'agit de vaincre ou d'être vaincu. Excusez-moi d'expliquer. Il faut tâcher d'y croire, Magny. Et s'il faut que quelqu'un commence, que ce soit moi, j'ai dit. Et vous,
puissent vos yeux ne pas instruire trop tard. Mes chers collègues, à ouïr ce que nous venons d'entendre, je ne peux m'empêcher de faire part à l'Assemblée de la douloureuse impression que je ressens. Oui, messieurs, il est une chose dont je suis sûr, et dont nous sommes tous sûrs, c'est que la monarchie de Christophe est une caricature. Mais j'en suis à me demander si nous, ici, nous sommes logés à meilleure enseigne. Et si notre République à nous n'est pas une caricature de République, oui. Et notre Parlement une caricature de Parlement, oui. Monsieur le Président, il faut que vous vous convainquiez. L'Assemblée a le droit de tout savoir. Et vous, vous avez le devoir de tout dire. Pourquoi ces circonlocutions? Pourquoi ces réticences? Que prépare-t-on? Que machine-t-on derrière le dos de la nation? Mais j'accepte la bataille ou l'opposition. C'est notre fierté de tolérer une opposition. Là même où l'opposition a bien malencontreusement choisi de la livrer. Je n'ai l'intention de rien cacher à l'Assemblée, pas plus que je ne veux peser inconsidérément sur sa libre décision. Je suis un démocrate et me veux non le chef, mais le guide d'une nation libre. De moi donc, la nation saura tout. C'est la nation qui décidera. Et quand la nation aura décidé, rassurez-vous, Pétion agira. Mais parlez, parlez, expliquez-vous à la fin. Que veut le général Christophe? Que prétend-il? Que nous le reconnaissions pour le chef? Et de quel droit se prévaudrait-il? Serait-ce de tout le sang innocent qu'il a fait couler? Si l'opposition, et c'est notre fierté de tolérer ici une opposition, si l'opposition eût été moins guidé par l'esprit de précipitation et une méfiance perverse que par l'esprit de mesure, de prudence et de probité qui devrait toujours inspirer les législateurs d'une libre république, alors, messieurs, personne n'eût, pour la plus grande joie de nos ennemis, troublé d'une bien vaine querelle cette heure d'unanimité nationale. En effet, Christophe nous propose la réunification de l'île. Cela va sans dire que ce serait sous son autorité, sa munificence royale daignant, je suppose, nous distribuer à vous et à moi une menue monnaie de poste subalterne, le cob de quelques prébendes. En bref, nous deviendrions les sujets de Sa Majesté très christophienne. C'est une dignité. Pas de transaction avec le tyran. C'est un bacha grotesque. Louis XVIII, plutôt que Christophe, nous appelons sur lui les visites du ciel. Alors, sire, vous voilà fixé. Combat de coq, de chien pour l'os. Combat de poux, poussière, de la poussière partout, rien que de la poussière, pas de pierre, de la poussière, de la merde et de la poussière. Dites donc, Magny, donnez aux troupes l'ordre de marche, vers le cap, vers le nord. Vers le cap? Oui, vers le cap, j'ai dit, allez. Voyez-vous, Vasté, le matériau humain lui-même est à refondre. Comment? Je ne sais. Nous essaierons, dans notre coin, dans notre petit atelier.
Le plus petit canton de l'univers est immense. Si la main est vaste et le vouloir, non là. En avant! Route! Suivez-moi! L'empereur vini ouais coucou dans ses lampes. L'empereur vini ouais coucou dans ses lampes. Vasté, vasté, est-ce qu'on peut empêcher un pays de crier? Du Mol Saint-Nicolas au nord, à Jérémie au sud, Haïti est une forte gueule. Vasté, petit griffe, tu n'es pas nègre, tu es griffe. Mais comme la terre garde en ses plis la trace des grandes commotions, tu as connu, ou plutôt vécu dans le roussi de tes cheveux, la laine infernale de la foudre. Non, aux épaules, là, entre les deux épaules, j'en suis sûr, l'invisible carcan indestructible, au détour du sable, le débouché subit de la caravane. Ce sont peines et affres venues d'aussi loin que les cavernes. Des nausées, n'est-ce pas? Ah, vasté, profonde comme les fleuves, et notre rire aussi, comme le taureau rouge jaillissant pendant l'orage, du forcené parti des nuages remués. Tu es nègre, au nom du cataclysme, au nom de mon cœur qui me remonte la vie toute, dans le hoquet du dégoût, je te nomme, te baptise, te sacre nègre. Alors, petit nègre, te sens-tu le courage de marcher dans le sang? Nali sala balobakae, nali sala bayembakae. Bangombe baloba mama, bangombe baimbakai. Oh, monsieur le maître de cérémonie, j'ai ouï dire qu'en France, le festin se passait le jour même du sacre. Oui, majesté. À Reims, dans la grande salle de l'archevêché, ou salle du taux, avec le concours de tous les dignitaires, le grand panetier portant le cadenas de sa majesté. Le cadenas? C'est d'un coffre qu'il s'agit. Oh, comme c'est curieux. Le grand échanson, la soucoupe. La soucoupe? Vous dites la soucoupe? La soucoupe. Les verres et la carafe de sa majesté, le grand écuyer tranchant, la grande cuillère et le grand couteau de sa majesté, tout le monde vêtu d'habits et de manteaux de velours noir bordé d'or. J'ajoute qu'une tribune est dressée pour la reine et les princesses. Comme c'est curieux. Eh bien, sinon, la reine, du moins, Madame Christophe est-elle ici, non pas sur une tribune, mais avec nous, à côté de nous, ce qui est mieux. Tant pis pour les usages. Aujourd'hui, mon écuyer tranchant ne tranchera rien. Et mon grand échanson ne versera pas de vin. Eh oui, monsieur le maître de cérémonie, je ne hais rien tant que l'imitation servile. Et je pense que s'il faut élever ce peuple à la civilisation, et je crois que nul n'a plus fait en ce sens que moi, il faut aussi laisser parler le génie national. L'île du Roseau, dans ses plaines unisses. Ben, qu'est-ce que c'est, Cholatte? Que signifie ce reniflement et ces plaintifs gémissements? Rien, rien, majesté. Rien qu'un poème. Un poème à la gloire du rhum, conçu comme boisson nationale. Ah, boisson nationale. Très bien, sa boisson nationale. Et répétez voir, Cholatte. Quel du roseau dans ces plaines
Zonis, j'entends au loin son pressoir qui gémisse. Disons-nous le nectar exprimé. Brille à mes yeux en sucre transformé. Bon, ça va très bien, ça va très bien, Solade. C'est bien du rhum qu'il s'agit, c'est très bien. Ça fait très national et nous le ferons apprendre dans les écoles. Un message, Majesté, un message. Une lettre de Londres remise par Sir Alexis Popham. Mon noble ami Wilberforce. Oh. Ah, des vœux pour l'anniversaire de mon couronnement. Oh. Il m'écrit qu'il m'inscrit à plusieurs sociétés scientifiques. Oh. Enfin, Wilberforce, vous ne m'apprenez rien? Et vous n'êtes pas le seul à raisonner ainsi. Enfin, écoutez, on n'invente pas un arbre, on le plante. On ne lui extrait pas les fruits, on le laisse porter. Une nation n'est pas une création, mais une lenteur, un mûrissement, année par année, anneau par anneau. Il en a deux bonnes. Être prudent. Semer les graines de la civilisation. Mais malheureusement, ça pousse lentement. Laisser du temps au temps. Mais nous n'avons pas le temps d'attendre, quand c'est précisément le temps qui nous prend à la gorge. Sur le sort d'un peuple, s'en remettre à la pluie, au soleil, aux saisons. Drôle d'idée! Christophe, je ne suis qu'une pauvre femme, moi. J'ai été servante, moi, la reine, à l'auberge de la couronne. Une couronne sur ma tête ne me fera pas devenir autre que la simple femme. La bonne négresse qui dit à son mari, « Attention, Christophe, attention. » Christophe, à vouloir poser la toiture d'une case sur une autre case, elle tombe dedans. On se trouve grande. Ne demande pas trop aux hommes et à toi-même. Pas trop. Je demande trop aux hommes, mais pas assez aux nègres, madame. S'il est une chose qui, autant que les propos des esclavagistes, m'irrite, c'est d'entendre nos philanthropes clamer, dans le meilleur esprit sans doute, que tous les hommes sont des hommes et qu'il n'y a ni blanc ni noir. C'est penser à son aise et hors du monde, madame. Tous les hommes ont même droit, j'y souscris. Mais du commun lot, il en est qui ont plus de devoirs que d'autres. Là est l'inégalité. Une inégalité de sommation, comprenez-vous? À qui fera-t-on croire que tous les hommes, je dis tous, sans privilège, sans particulière exonération, ont connu l'esclavage, la traite, le collectif ravalement à la bête, le total outrage, la vaste insulte, que tous, ils ont reçu, plaqué sur le corps, au visage, l'omnini en crachat. Nous seuls, madame, vous m'entendez, nous seuls, les nègres. Alors au fond de la fosse, c'est bien ainsi que je l'entends, au plus bas de la fosse. C'est là que nous crions, de là que nous aspirons à l'air, à la lumière, au soleil. C'est d'une remontée jamais vue que je parle, messieurs. Et malheur à celui dont le pied flanche. Un roi soit. Christophe, sais-tu comment dans ma petite tête crépue
Je comprends un roi. C'est au milieu de la savane ravagée d'une rancune de soleil. Le feuillage drué et rond du gros mombin, sous lequel se réfugie le bétail assoiffé d'ombre. Mais toi, parfois je me demande si tu n'es pas plutôt, à force de tout entreprendre, de tout régler, le gros figuier qui prend toute la végétation alentour et l'étouffe. Cet arbre s'appelle un figuier maudit. Pensez-y, ma femme. Je demande trop aux hommes. Je demande trop aux nègres. Mais écoutez! Écoutez! Quelque part dans le buisson, le tam-tam bat. Et c'est tous les jours comme ça, tous les soirs. Mon peuple danse. Mais qui m'offrira plus qu'une litanie de prêtres, plus qu'un éloge versifié, plus que les boniments d'un parasite, plus que l'impudence d'une femme? Je dis quelque chose qui se peuple au travail, maître. Quelque chose qui éduque. Non. Quelque chose qui édifie ce peuple. Présent! Voici, majesté. Présent, faites entrer l'ingénieur Martial Bess. Et vous, bande de paresseux et de goinfres, qu'est-ce que vous attendez pour aller danser, vous aussi? Allez, allez, foutez le camp, nom de Dieu! Foutez le camp! Ni prêtre, ni femme, ni courtisan, foutez le camp, tous! Foutez le camp! Moi, le roi, je veillerai. Seul. Le voici, majesté. Ah, Martial Bess, l'ingénieur. Imaginez, Martial. Imaginez, sur cette peu commune plateforme, tournée vers le nord magnétique, 130 pieds de haut, 20 d'épaisseur, les murs, chaux et cendres de bagasse, chaux et sang de taureau, une citadelle. Pas un palais, pas un château fort. Je dis la citadelle, la liberté de tout un peuple, bâtie par le peuple tout entier, hommes et femmes, enfants et vieillards, bâtie pour le peuple tout entier. Inexpugnable. Inexpugnable. Mais oui, à chaque peuple ses monuments. À ce peuple qu'on voulut à genoux, il fallait un monument qui le mit debout. Le voici, surgit, vigie. Annulation du négrier, la formidable chevauchée. Que mon peuple noir, salue l'odeur de marée de l'avenir. Kunando, Kunando, Kunando. Compère, hein, il va pleuvoir Kunando. Et pas du clairet. Voyez, le morne Bédoré fume. Et quand Bédoré fume, c'est un mauvais temps. Ça, c'est Rita. Ben, n'empêche. Un sacré beau pays, des caféiers, des cacaoyers, et cette eau qui coule entre les pommiers roses et les bambous qu'on... Je ne dis pas non, le pays est bon, mais pas le temps que nous vivons. Il y a des choses à pas dire, compère. Le temps n'a pas bonté, ni mauvaiseté, non, compère. Le goût, compère, il est dans la bouche. C'est la manière de le prendre, compère, qui lui donne goût, bonté ou mauvaiseté. Compère,
croyez-moi, il y en a qui ne vous laissent pas prendre le temps. Ils vous le fourrent dans le fond de la gorge comme une médecine. Ah, on ne peut pas dire de mal d'une bonne médecine d'herbe conséquente au renouveau, compère. Je ne dis pas de mal d'une bonne médecine d'herbe conséquente. Mais je me dis comme ça que si nous avons rejeté les blancs à la mer, c'était pour l'avoir à nous, cette terre. Pas pour peiner sur la terre des autres, même noirs, l'avoir à nous, comme on a une femme, quoi. Oh! Faut pas vous révolter, compère. Moi-même, des fois, je dirais que Christophe aime trop le coco macaque. Mais ce n'est pas parce qu'on aime trop le coco macaque qu'on n'est pas bon père et bon mari. Hein? Bon, si vous voulez mon avis, Pétion est un bonhomme qui laisse faire et laisse grainer, oui. C'est comme une mère qui gâterait le fils contre le père. Mais le père, c'est le père. Et ce qu'il fait de dur, c'est pour le bien du fils et parce qu'il a de l'orgueil pour le fils, compère. Réfléchissez, compère. Réfléchissez. À tout réfléchir, compère, c'est pas de l'orgueil qu'il faut avoir, mais la compréhension. Bon Dieu, bon compère. Bon Dieu, bon. Faut vous en remettre à lui. Bon Dieu, bon. Mais oh, le travail est de faire grimper la prière. Avec cette année royale d'Aromain, pas moyen de faire un petit service. Pas plutôt que le tambour a commencé à battre, qu'il vous tombe dessus, tagadap, tagadap, tagadap. À croire qu'il n'y a pas plus de liberté pour les dieux que pour les hommes. Permettez, hein? Combien permettez? Les royales, on est dans de beaux draps. En conséquence, voulant que ma proclamation reste son entière exécution, et que tous les abus qui se sont glissés parmi les cultivateurs cessent dès la publication de la présente règlement. J'aime à me persuader que leur dévouement et obéissance au devoir prospérité publique ne sera pas momentané. Article 2, convaincu qu'ils sont, que la liberté ne peut subsister sans le travail, signé Christophe. L'ambition m'a tivi, fait au liquide des amis, ou vendre conscience ou boulant mourir. Kounando, Kounando. Hélas, mon histoire à moi est plus triste. C'est l'histoire d'un pauvre homme. Il dormait, paraît-il, sous sa véranda à une heure indue. Je veux dire, à une heure non prévue par le code Henri. Le roi l'aperçoit du haut de la citadelle au bout de sa lorgnette. Mes aïeux, quelle colère! La cabane en éclats. Le bonhomme en bouillie. Bravo, majesté, pour l'artillerie royale! Âme sensible, ne vous attendrissez pas. Il est passé du petit sommeil au grand sommeil sans s'en apercevoir. Requiescat in pace. Que c'est effroyable. Ah, voici Monsieur Vasté. Monsieur le baron, vous êtes le bienvenu. Madame, je vous baise la main. Je me réjouis de vous voir, Monsieur Vasté. Isabelle, Isabelle, venez, approchez. Elle a une voix ravissante, cette enfant. Isabelle, chantez-nous donc cette jolie romance, la romance d'Ourika. Enfant de la noire Guinée, de ciel brûlant, lointaine fleur, Ourika fille infortunée, déplorait ainsi son malheur. France, toi qui m'avais charmé, toi que saluaient mes transports, tu me cachais que sur tes bords, je ne serais jamais aimée.
blanche couleur, couleur des anges, mon âme était digne de toi. Ô Dieu puissant, que de louanges, si tu l'avais faite pour moi. Mais pour l'oubli, tu m'as formé. Dourika termine le sort. C'est un si grand bien que la mort, pour qui ne peut pas être aimé. Bravo, bravo, c'est à mourir. Qu'en pensez-vous, monsieur Vastet? Je pense à Christophe, madame. Savez-vous pourquoi il travaille jour et nuit? Savez-vous, c'est lubie féroce, comme vous dites, ce travail forcené. C'est pour que désormais, il n'y ait plus de par le monde une jeune fille noire qui ait honte de sa peau et trouve dans sa couleur un obstacle à la réalisation des vœux de son cœur. Pour la citadelle, il faut faire plus et plus vite. On devrait pouvoir tirer meilleur parti de toutes les forces du pays. Je dis toutes, des femmes comme des enfants. Des enfants? Oui, des enfants, nom de Dieu. C'est leur avenir que nous préparons. Alors tout le monde au travail, au service, à transporter des pierres. 10 pierres par jour la femme, ça ne leur fera pas de mal. Et de 2 à 7 l'enfant selon l'âge. Ben, Préseau. Me voici, Majesté. Préseau, je vous charge d'expédier l'affaire Bazin. Je l'ai fait comte de Montrouy, lui ai donné en fief des chapelles, et j'apprends qu'il fait fouetter les paysans. Et nom de Dieu, j'ai mis à sa disposition des travailleurs. Je ne lui ai pas donné d'esclave. Alors dépêchez là-bas une section de royal Dahomey. Que l'on attache le gérant fouetteur à un arbre, sur la place publique, devant le peuple assemblé. Et qu'on le démolisse à coups de sabre, membre après membre. Quant à Bazin, délivrez-lui message qu'il vienne ici demain. Nous n'aurons jamais assez de main-d'œuvre à la citadelle. Ah, il est temps de mettre à la raison ces nègres qui croient que la révolution, ça consiste à prendre la place des blancs et à faire en lieu et place, je veux dire, sur le dos des nègres, le blanc. L'empire est venu, ouais, coucou, danser l'empire. L'empire est venu, ouais, coucou, danser l'empire. Non, mais quoi, Hugolin, tais-toi! Dresser ce peuple. Me voici comme un maître d'école, brandissant la férule à la face d'une nation de cancres. Messieurs, messieurs, comprenez bien le sens de ces sanctions. Ou bien on brise tout, ou bien on met tout debout. J'ai choisi, moi. Il faut marcher. Il faut porter de plus en plus loin. Allez. C'est pourquoi, Brel. Ah oui, c'est à vous que j'en ai, archevêque. Je vous ai fait duc de Lens, je vous ai construit le plus beau palais archiépiscopal du Nouveau Monde, et maintenant vous songez à m'abandonner pour rentrer en Europe. Votre trône est assuré, le royaume prospère, et vous avez devant vous un vieux prêtre usé par les travaux évangéliques et qui ne peut plus rien. Mais voyons, Brel. Quand on a commencé, on n'abandonne pas la tâche, même pour aller embrasser sa vieille mère en France. Mais j'y penserai. Mais nous avons encore besoin de vous. Vous allez vous en rendre compte vous-même. Huguenin, les paysans sont là. Faites entrer cette canaille. Messieurs, je la prends de belle sur votre compte.
Les rapports que je reçois m'indiquent que vous n'êtes pas marié. Hein? Que vous êtes des coureurs. Oui, Majesté, ces messieurs courent à gauche, courent à droite, sans rime ni raison. Ce sont des fornicateurs, Majesté. Mmh. C'est épouvantable. Des fornicateurs. Ouais, autant dire des conspirateurs. Messieurs, il faut que cela cesse. Notre État a besoin d'une gîte stable. Il n'y a pas d'État stable sans famille stable. Et pas de famille stable sans femme stable. Messieurs, je ne veux pas que mes sujets courent comme ça, braguette ouverte, comme des sauvages. Et c'est pourquoi j'ai décidé que vous vous marierez. Illico. Mesdames, messieurs, le roi, dans sa sollicitude paternelle, a décidé de vous épargner la peine de courir pour choisir. Voilà, mes enfants, vous êtes tous là, vous êtes toutes là, à chacun sa chacune, à chacune son chacun, et réciproquement. Voyons, toi, elle te va, celle-là. Un peu grasse, mais les femmes grasses sont les meilleures. À toi, à juger. Pour toi, la petite maigre, il y en a pour tous les goûts. Toi, tu me parais taillé en Hercule. Et celle-là me paraît avoir de bons reins tonnerre. Des reins à lancer en l'air un éléphant. Majesté, une femme comme ça, c'est une veine. On peut en tirer tout un régiment. Comment ça va, ça va, hein? Messieurs, mesdames, l'agriculture a besoin de bras. Et l'État de soldats. Alors je vous dis comme ça, bonsoir, et bêchez, ferme. Voyons, Brel, donnez-leur votre bénédiction, et constatez qu'on a encore besoin de vous, et parions que c'est le plus grand mariage que vous ayez jamais célébré, hein, Brel. Allez, hop, allez. Et maintenant, France, à nous deux. Vasté! Monsieur le général Christophe, commandant la province nord de Saint-Domingue. Mais voyons, Vasté, il ne peut s'agir que d'une erreur de secrétariat. Un lapsus, comment vous dites? Lapsus, majesté. Voilà. Un lapsus calami. Un lapsus échappé au secrétaire du secrétaire aux affaires étrangères de mon cousin, le roi de France. À tout péché, miséricorde. Cela, n'est-ce pas, ne doit pas nous empêcher d'aborder ce que mon bon cousin appelle le fond de la question de Saint-Domingue. Hein, Vasté? Présent! Me voici, Majesté. Présent! Faites entrer Monsieur Franco de Médina. Comme j'ai eu plaisir à constater l'ordre qui règne sur cette partie de l'île, il me plaît de saluer la grande sagesse et le haut esprit de modération de celui qui l'administre avec tant de talent et de fermeté. Que qu'on s'adresse à moi, Monsieur Franco de Médina. On m'appelle Sire. On dit Sa Majesté. C'est, disons, une habitude locale, à laquelle il est sinon convenable, du moins courant, que l'hôte de passage s'associe. Mais cela dit, cela ne doit pas vous empêcher d'aborder le fond de la question de Saint-Domingue. Précisément, Majesté. Ah! Il a dit Majesté. C'est bien. Je vois que vous vous haïtianisez. Messieurs, vous entendez? Vous entendez? C'est écrit en toutes lettres dans le message que M. Franco de Médina me remet de la part du roi son maître. Vasté, présent, vous entendez? Vous êtes des esclaves révoltés. Oui, vous êtes des esclaves marrons et précaires. La situation de votre roi. Le couvent. Cousin, versez à moi,
Roi! En somme, monsieur Franco de Medina, ce que vous m'offrez là s'appelle une transaction. Oh, oui, oui, oui. Une transaction sur le dos de mon peuple. Ce peuple libre reprendrait ses chaînes. Notre armée glorieuse quitterait les armes pour se soumettre au fouet. Ses trophées, conquis sur les champs de bataille, orneraient son supplice. Et moi, dans les antichambres de votre roi, je me vautrerai en habit de laquais galonné. En vérité, monsieur, si vous n'étiez ici, en pays civilisé... Et... Oui, monsieur, parfaitement civilisé. Je me permets de rappeler à Sa Majesté ce qui n'a pu lui échapper, à savoir que l'envoyé du roi de France, l'agent du roi de France, en tant que natif de l'ancienne colonie espagnole, présentement province haïtienne, est de plein droit haïtien. Donc, sujet de votre majesté. Parbleu! Merci, Vasté, merci. Je vois que vous êtes né pour me comprendre et me servir. En attendant, monsieur Franco de Medina, et pour régler le fond de la question de Saint-Domingue, faites savoir à France que libre de droit et indépendant de fait, nous ne renoncerons jamais à ces avantages. Non, que jamais nous ne laisserons renverser l'édifice que nous avons élevé de nos mains et cimenté de notre sang. Majesté, comprenez-moi bien. Je viens ici avec le rameau d'olivier. C'est vous rappeler à mon esprit de manière très opportune, monsieur Franco de Medina. Présent. Me voici, Majesté. Faites battre le tambour. Avertissez le peuple. Quant à vous, Brel, on a besoin de vous. Il a beau être un traître, son âme a droit au repos. Et pour qu'il se rende compte de visu que nous y pourvoyons, pendant que vous officierez, Brel, monsieur Franco de Medina sera debout auprès de son cercueil et écoutera sa propre messe de requiem. Après quoi, Gaffi, ces messieurs sont délicats. Je ne veux pas qu'une goutte de sang tache son paletot. Bon voyage, monsieur Franco de Medina. Majesté, le Conseil d'État est là et le peuple Itou brûlant de vous haranguer. Faites entrer ces messieurs, Hugonin, je les recevrai. Messieurs, je suis content de voir ici rassemblés, en la personne des représentants des différentes classes qui la composent, tout entière la nation. Aussi bien ce que j'ai à vous dire intéresse précisément tout entière la nation. Passer l'alarme guerrière, il est vrai, nos problèmes et nos tâches sur le fond de la paix, avec plus d'instances, ressort. Et ce n'est pas le loisir que je vous annonce aujourd'hui, messieurs. Non, pas le loisir. Majesté, une pirogue tient la mer, mais n'est pas sur une mer démontée. Un célibat tient au vent, mais n'est pas toujours à se colter avec le vent. Ton peuple est fatigué. Vieillard, ta couronne de cheveux blancs te vaut une tolérance. Mes compères, n'abusez pas.
C'est en ce même Malouk que vous prenez là, compère. Alors, messieurs du Conseil d'État, rien, pas une idée, pas une petite remontrance. Majesté, le Conseil d'État se sait le surinterprète du pays en apportant à votre Majesté le tribut de son admiration pour la fermeté sans égale qu'elle a déployée pour la défense de la cause haïtienne et de notre liberté. Se fondant sur des manifestations non équivoques du sentiment de nos concitoyens unanimes, elle s'assure que la nation sera récompensée de son long effort et s'ouvre au doux espoir que toutes les classes de notre société pourront enfin jouir à l'ombre de votre bras tutélaire du repos combien mérité sa lutte héroïque et son travail sans défaillance. Le travail sans défaillance du Conseil d'État. Bon, messieurs, tout de bon, je haïrais ma victoire si pour vous elle vous donnait relâche. Et comprenez-moi bien, messieurs, je ne vous donnerai pas quittance de vous-même. Allez. Minute ! J'ai dit allez, mais pas comme ça. Hugonin, donnez donc des pelles et des pioches à ces messieurs du Conseil d'État. Messieurs, pelle, pioche, sur l'épaule, droite, en avant, marche, pelle, pioche, pelle, pioche, une, deux, pelle, pioche. Réseau. Me voici, Majesté. Fausse parole. Lèvres fausses. Cou sans consistance. Langue trop salivée. Des hommes. Oh, des ombres. Ma cour est un théâtre d'ombre. Réseau. Bonjour, Majesté. À propos de Brel. Ouais. Je l'ai nommé archevêque, mais il lui manque l'institution canonique. Et le Saint-Père ne répond pas. En somme, Brel est en situation irrégulière. C'est très, très ennuyeux, Préso. Qu'en pensez-vous? C'est très, très ennuyeux, Majesté. Ouais. À ce compte-là, on peut même se demander si Brel est vraiment archevêque, hein, Préso? On peut se le demander. Mais cela n'a pas d'importance. Ma nomination vaut bien la consécration du pape. L'ennuyeux, Préso, est que Brel se fait vieux. Mais il écrit beaucoup, il parle beaucoup. Beaucoup plus que le bien de l'État ne le requiert. Qu'en pensez-vous, Préso? Je suis à vos ordres, Majesté. Oui, mais il se fait vieux, Préso. C'est un vieux compagnon. Un vieux compagnon, Majesté. Oui, mais il parle trop. Il écrit trop. Alors, c'est un vieillard. Mais doucement. Pas de sang. De sa bonne mort, dans son lit. C'est un vieillard, Préso. Doucement. Allez. Murez. Faites murer
les portes et les fenêtres de l'archevêché, toutes. Je ne veux rien d'ouvert, même pas une chatière. Je t'en apprends le plus beau tombeau archiépiscopal du Nouveau Monde. Ah, nous écoutons les peccata mundi, pas que le message nous dit. Et tous les peccata mundi, pas que nous... Connecté en gauche, et reste à mon pied, mon gauche. Mon pied, mon gauche, vous t'es là, vous m'êtes canonné, non plus. Chantez! Gavaille! Ah ben, nous m'avez chanté! Gavaille! C'est nos bandes! C'est nos bandes qui n'a l'image et au manger! C'est nos bandes! C'est nos bandes qui n'a l'image et au manger! C'est ça qui fait, j'ai au matin là-haut! Qui qualité, j'en t'ai pointé là? Nous ne pouvons pas n'importe qui l'est. Quand c'est un cabaret là, en avant, chantez, travaille. Allons, allons, messieurs, allons, au travail. Majesté, faut dire qu'on n'y tient plus avec un temps pareil. Faudrait peut-être penser à faire rentrer les équipes. Il fait un vent à décorner les bœufs. Ça se rencontre des bœufs. Qui ne se laisse pas décorner. Mais, Majesté, la difficulté est de hisser les pièces. La pente est dure et glissante, 12 degrés par mètre. J'ai mis là-dessus une équipe de 100 hommes, et ça ne donne rien. Fais-en sortir 50 des rangs, ça ira mieux. Allons, messieurs. C'est un homme qui a fait la guerre qui vous parle. Et vous assure que c'est toujours le moins drôle de décaniller, de morne en morne, de buisson en buisson. C'est pourquoi j'ai voulu donner à mon peuple cette bonne parade de pierre contre les buffles. Ce bon chien de pierre, dont la seule gueule découragera la meute de loups. Eh bien quoi, qu'y a-t-il ? Hein ? La foudre ! Allons, messieurs, nous n'avons pas aujourd'hui le temps de nous arrêter au feu d'artifice. Faites donner les tambours. Allez, faites donner le petit rabordail pour cravacher les pluies et faire savoir à la nuit que nous l'irons provoquer à vif pour dégager le soleil. La poudre a tombé sur la poudrière. Le bâtiment du trésor est détruit. Le gouverneur de la place et une partie de la garnison sont ensevelis sous les décombres. Garçons du cœur, c'est une bataille comme une autre. À gong, l'eau, toute feuille en dents de scie rassemblée autour du cœur, l'ananas résiste. Ainsi, le roi du Dahomey salue l'avenir de sa récade. Soyez Dieu, la foudre tombe. À gong, l'eau, résiste l'ananas. Saint-Pierre, Saint-Pierre, voudrais-tu nous faire la guerre? Je me disais qu'on avait assez travaillé comme ça et qu'un petit coup de rafraîchissement ne nous ferait pas de mal par le travers du gosier. Eh bien, je me disais bien la chose, oui, compère Jupiter. Même que je m'étonne de n'avoir pas entendu la cloche. Pour ce qui est de la cloche, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose de déglingué, oui, dans la machinerie de ce royaume. De froid, compère Jupiter. Je me demande où vous allez chercher tout ce que vous trouvez. Ah! Faudrait pas que des mots comme ça tombent dans l'oreille de tout un chacun, non? Pour vous dire la vérité vraie, compère Patience, mon amitié est avec la terre. Je crois à la terre que je travaille de mes bras et que le gros roi ne veut pas donner à nos bras. Comme vous y allez, compère. Comme vous y allez. Après tout, peut-être bien que vous avez raison, camarade Jupiter. Il y a quelque chose de déglingué dans ce royaume.
Regardez. Regardez. Quelle belle assemblée. Rien ne me plaît tant que de voir tous ces nègres de chez nous. Avec des manteaux de soie et des forêts de plumes sur la tête. Bleu, rouge, blanche. Bien raisonné, vieillard. Bien raisonné. Je veux les avoir à la tête que de les avoir au cul comme nos ancêtres. Venez, détracteurs de notre race, de nos mœurs et de notre caractère. Tout beau, l'ami, tout beau. J'ai dit cela jadis dans un langage plus inspiré. Et vous, fiers ennemis de nos doigts triomphants, abjurez vos erreurs. Renoncez à ces plans. Qu'importe les venins d'une rage inutile? Que peuvent désormais vos accès impuissants sur l'auguste rocher qui supporte cette île? Contre eux, Neptune en vain s'irrite les hauts. Un regard de ce dieu rend la mer immobile. À propos de plans et de venins, dites, Huguenin qui savait tout, quelle nouvelle de Pétion? Ma foi, le futur président Boyer se porte bien. Diable d'homme, je lui parle à Pétion, il répond Boyer. Parbleu! Je suis habitué à la fantaisie royale, mais celle-là est tout de même forte. Est-il vrai que le peuple, le cou encore raide et les épaules meurtries de la citadelle à peine achevée, est bientôt convié à porter sa contribution patriotique à l'édification, quelque part du côté de la crête à Pierrot, d'un château nouveau. Et quel château? Un château des mille et une nuits. C'est écrit en toutes lettres dans la gazette. Tenez, Élisée, un palais pour un congrès qui réunirait tous les souverains du monde qui daigneront pousser une petite pointe jusqu'en Haïti. En somme, un palais éphéméride pour congrès œcuménique. Mais mon Dieu, mais pourquoi pas? Nuages en délire sur la tête, à nos pieds, le hoquet d'écume vomi par deux mondes. Voyez où Dieu nous a placés, le dos collé au Pacifique, devant nous l'Europe et l'Afrique, à nos côtés de part et d'autre les Amériques, au confluent de toutes les marées du monde, au nez de tous les flux et de tous les reflux et de toutes parts de ce belvédère, il y a ce formidable spectacle, cette pas banale concrétion atlantique. Monsieur le grand amiral, vous n'avez pas encore de bateau pour constituer votre flotte. Mais tranquillisez-vous. Haïti est elle-même un grand bateau. Je dirais avec plus de précision, une grande galère et tout l'équipage à la calenture. Alerte! Tape en bouche le roi. Amé et Féo, vous êtes la grande famille haïtienne et... où peut-on être mieux qu'au sein de sa famille? Et voici délivrance, bien-aimée, la couronne. Mes mandingues, mes congolais, je les ai rachetés aux négriers, rédimés de l'infâme. Et pour que chacun sache en quelle délice je les tiens, j'ai créé pour eux un titre qui le proclame assez, bonbon royaux. Oh, à point nommé, vous voilà, ma belle guerrière. Plus belle que jamais, surprise par son roi, à lui faire des infidélités avec son général de marine. Quant à vous, mon cher guerrier, pour me débarrasser de vous, il ne me reste plus qu'à vous mettre aux arrêts de rigueur à la citadelle. Majesté, je suis tranquille. Ma femme est vertueuse. Vous,
Un peu plus gros qu'un courant d'air, si bien que je suis assuré que les petits guerriers seront bien des petits guerriers pour vous servir et défendre la couronne. Bien répondu, mon duc, c'est bien. Mais nous n'allons pas nous brouiller pour une petite plaisanterie. Nous avons beaucoup de choses à faire ensemble. Sachez que ça bouge à Saint-Marc. Il faudrait ouvrir l'œil de ce côté. Ils ont tort, Majesté. C'est une main pas molle qui leur tombera dessus. Merci, général, merci. Ah, et vous, Vasté, Magny, mes chers amis, quelle nouvelle ? De quoi parle-t-on ? Oh, nous parlions, Vasté, moi, de la question des terres, Majesté. Tiens, tiens. Ainsi donc, il y a une question de terre et le roi l'ignorait, comme c'est curieux. À mon sens, Majesté, elle se pose, et avec une certaine acuité, d'autant que les agents de Pétion vont partout colporter la nouvelle qu'il a décidé de vendre aux particuliers les propriétés domaniales. Eh bien, qu'ils vendent, et qui achètera ? Les généraux, les riches, les paysans. Ce sont les gros, alors je plains le peuple. Et si ce sont les paysans, alors je plains le pays. Je vois d'ici l'anarchie du petit mil et de la patate douce dans le parcelage menu. Mais, dites donc, Magny, je trouve que pour un général, vous pensez trop. Je dis beaucoup trop. Oh, et voici notre nouvel archevêque, Monseigneur Juan de Dios. Je me permets de rappeler à votre majesté que c'est dans 15 jours la fête de l'Assomption. Puis-je espérer, avec toute la population du Cap, que votre majesté rehaussera de sa royale présence cette cérémonie ? Une des plus importantes de l'Église romaine. Oh, au Cap, en cette saison, il y fait bien chaud. Majesté, une telle cérémonie ne se peut célébrer avec dignité qu'en l'Église cathédrale et dans une métropole. Oh, vous savez, la cathédrale est où vous êtes et la métropole où je suis. Certainement, Majesté, certainement. Cependant, on ne peut avoir qu'au Cap toute la pompe désirable. Juan de Dios, le 15 août, je serai à Limonade et nulle part ailleurs. Si Notre-Dame veut qu'elle soit fêtée, elle n'a qu'à m'y suivre. Oh, Majesté, je me permets de... Padre, padre, por favor, n'insistez pas. Caramba, auriez-vous la tête un peu dure qu'une pierre? Si la Virgen de la Caridad nous aime, qu'elle nous suive à Limonade. En espagnol, limonada. Comprende usted esta palabra? Santa Maria ora pro nobis. Santa de Genitrix ora pro nobis. Erzuli freda daume. Ora pro nobis. Rosa mistica, turis davideca. Turis burnea. Loco petro brisé pemba. Toute divinité de la foudre et du feu. Ora pro nobis. Regina angelorum. Regina profetarum. Regina apostolorum. Veide bader contre nos hommes. Ah, celle-là se mettait debout sur la gueule de nos canons pour les pointer. Ora. Pro nobis! Agnus Dei qui tollis peccata mundi, pace nobis! Agnus Dei qui tollis peccata mundi, pace nobis! Miserere! Miserere! Femme, n'aie pas peur! Un homme qui a défié Saint-Pierre ne craindra pas une corneille enrouée volant dans son soleil! Saint-Toussaint, mort de nos péchés, pace nobis! Saint Dessalines, mort au Pont Rouge, tel un dieu pris au piège. On eût dit, vomi par l'effroyable fissure, le noir feu de la terre,
que tu le défias de son tonnerre. La fraude aux 5000 bras. Misère, misère, novice. Horrible. Quand c'est de notre fabuleuse douce. Terminé, parfait, amélie. Comporis, sanitaire, égale, terre. Oui, mes dieux, prêtre de l'église romaine. Quelle sorte de messe, dites-vous là. Qui a jeté sur moi le bakoulou baka? Paralysé. Paralysé. Steward, je vois que je ne peux compter ni sur votre science, ni sur la science. Majesté, c'est déjà beaucoup que nous ayons réussi à empêcher l'issue fatale. L'issue fatale. L'issue fatale. Étrange abus de mots. Est-il rien de plus fatal qu'un homme trahi par la nature imbécile et qui vit une vie qui se survit? Tu vois, je ne crois pas à ce que racontent mes courtisans. Je ne suis roi ni par la volonté du peuple, ni par la grâce de Dieu, mais par la grâce et la volonté de mes poings. Oh, mais cessez vos cantiques, nom de Dieu, vos chants de damnation. Ah! Et quant aux paysans qui ont vu s'écrouler un roi, qu'on leur conseille de museler leurs ânes et de bâillonner leurs poules. Malheur à limonade, si j'entends braire ou glousser. Effectivement, Sa Majesté a besoin de calme et de repos. Non pas, monsieur, non pas. Approchez. Approchez. C'est bien. Je veux donner mes instructions. Oui. Genou brisé, la fortune envieuse m'a frappé. Mais mon âme, sachez-le, est intacte, debout, solide, comme notre citadelle. Foudroyée, mais inébranlée, l'image même de notre citadelle. Christophe, vous serez mes membres, puisque la nature m'en refuse. Moi, la tête. J'ai juré de fonder la nation. Pour ce qui est de Dieu, tout homme a droit, tout peuple. Dieu, je ne supplie pas, mais brandissant à vos faces la récade de mon peuple, sa récade bec de colibri dans le champ du Milan, je réclame pour ce peuple son droit. Sa part de chance. Tambala planté maïli. Oui, il plante maïs, bête piquée sans lit. Tambala plante maïs, oui, il plante maïs, bête piquée sans lit. À la nation pas bon, à la nation pas bon. Mon pauvre Gonin, les nations ne sont jamais bonnes. Et c'est pourquoi les rois non plus ne doivent pas être trop bons. Dambala, plantez maïli. Alors, quelles nouvelles apporter? Elles ne sont guère bonnes, Majesté. Je demande des nouvelles et pas des commentaires sur les nouvelles. Prézo. Oui, Majesté. Prézo, appelez-moi Richard. La ville de Semac, sur le point de tomber entre les mains de nos troupes, a fait appel aux républicains. Le général Boyer a débarqué à Semac. Tonnerre, pendant 5 ans,
J'ai offert le rameau d'olivier aux gens de Port-au-Prince, et ils le refusent. Le Mirebalais a été une frontière de paix, et ils veulent en faire une frontière de sang. À vos aises, vous dites que Boya débarque à Saint-Marc et à la barbe de mes généraux. Majesté, les généraux romains et guerriers sont passés du côté des insurgés. Romains, guerriers, mes généraux, pourceaux, serpents cornus, des hommes que j'ai couverts de gloire. Mais attention, messieurs, Christophe est un gros noyau, et celui qui tente d'avaler un gros noyau, faut-il du moins qu'il ait confiance de la grosseur de son gosier. Présent ! Oui, Majesté. Présent, avertissez Magny qu'il est à prendre le commandement. Gare à deux, Majesté. C'est une belle terre aux environs de Port-au-Prince. Et si mes renseignements sont exacts, le Sénat de Port-au-Prince vient d'en faire don à Magny. Magny a toujours aimé la terre, Majesté. Tous des fumiers. Ce pays, quel tas de fumiers. Magny, guerriers romains, généraux. Eh bien, on se passera d'eux, n'est-ce pas? Présent! Oui, Majesté. Allez-vous faire entrer Richard? Majesté, au cap! La population s'est soulevée, et la foule s'est emparée de l'arsenal. Et la garnison, et Richard. Les émeutiers font courir le bruit que le gouverneur Richard ne combattra pas le mouvement. Deux petites branches, mis le pied sur la branchette. Qu'ai-je fait, le jeune garçon? Il fait le jeu du chapon. Qu'est-ce que c'est que cette chanson idiote, Hugonin? Je l'ai apprise jadis du côté de Santo Domingo. Et je ne te dis que cela, Majesté. Fallait avoir les reins solides pour supporter le rinfofo. Et rinfo, et rinfofo. Piment doux, poisson froid, viande sèche et haricots. Semences ambitieuses, ai-je dit, pour vos terres fastidieuses. Et haussez de 10 coches le niveau exigé de l'étillage. Sueurs et récoltes à l'avenant, ce fut un temps sévère. Je ne regrette rien. J'ai tâché de mettre quelque chose dans une terre ingrate. De la terre monte, voyez, des colonnes de fumée, du vent, des hennissements de chevaux. Ce qui brûle, ce sont les champs du roi. J'ai voulu leur donner la faim de faire et le besoin d'une perfection. La faim, oh là là, ce qu'il s'envoie. Et je te bouffe les jambons du roi, et je te lape le vin du roi. Il n'y a qu'une chose qui résiste, c'est leur grosse odeur rance parmi les parfums du roi. Brisé, brisé, ruiné. J'ai engrangé pour eux, engrangé pour le vent et l'envie, pour la ruine et la poussière. Les peuples vivent au jour le jour, Majesté. Ta voix est étrange, Gonin. Chacune de tes paroles s'encombre d'un débris de mes rêves. Et voici un battement. Un battement de tambour, Majesté. Vos soldats ne font plus face, Majesté. Les soldats du roi battent le Mandoukouman. Les soldats du roi battent le Mandoukouman. Les soldats du roi battent
le mandou Pouma, les soldats du roi, battent le mandou Pouma. C'est vrai. Les salauds. Ils battent le Mandoukouma. Qu'est-ce que cela signifie, Majesté? Cela signifie qu'il est temps pour le vieux roi d'aller dormir. Soleil, Atidai Boloko. Impétueux colibri de la tumulure du Datura. Je me suis toujours émerveillé qu'un corps si frêle puisse sans éclater supporter le pas de charge de ce cœur qui bat. Afrique, que ta grande corne sale mon sang et qu'il se déploie de toute l'envergure d'un vaste oiseau. N'éclate pas, cage de ma poitrine. Le toucan de son bec brise le fruit du palmier raffia. Salut, toucan, grand tambourinaire. Coq, la nuit saigne au tranchant de la hache de ton cri. Salut, coq, à un tranchant. Le martin pêcheur, appant brin d'oriflamme par brin d'oriflamme, s'invente un petit matin de soleil ivre. Salut, martin pêcheur, grand tambourinaire. Tambour coq, tambour toucan, tambour martin pêcheur, tambour mon sang audible. Assautant mon cœur, battez, battez, battez. Mon corps, Papa Sosie Bader, merci, mon nom vaillant. Voilà, mes amis. Sonnez le rassemblement. Toutes mes troupes, mes gardes, mes cavaliers, faites sceller mon cheval. Suffira que papa Christophe montre son bicorne au haut du cap pour que tout rentre dans l'ordre. Soldats, vous savez à qui vous avez affaire. Des gueux. Non. Des vers. Des termites. Tous. Des termites. Est-ce que vous ne défendrez pas la bâtisse qui vous abrite, votre arbre tutélaire, votre roi contre l'armée triste des termites. En avant! En avant! Route! Suivez-moi! Suivez-moi! Mais qui? Qui? Quel ennemi invisible campe autour de mes murs, dressant contre moi ses engins. La verge de fer qu'il aimait brandir sur vos têtes,
va se briser enfin entre ses mains. Cela même qui était ses lieutenants l'abandonne, là, de n'être que ses premiers esclaves. Soldats de la République, vous êtes aussi les soldats de Dieu. Oui. Aide-moi à rentrer. Porte-moi comme un vieil enfant dans tes bras, et puis tu me dévêtiras, me laveras. Défais-moi de tous mes vêtements. Défais-moi comme l'aube venue en se défait des rêves de la nuit, de mes nobles, de ma noblesse, de mon sceptre, de ma couronne. Et lave-moi, oh lave-moi de leurs baisers, de leurs phares, de mon royaume. Le reste, j'y pourvoirai. Seul. Seul. Ogu Badagui. Ogu Badagui, Zenak Politigo. Ogu Badagui. Oh, ce rhum, je crois bien que j'en ai pris un coup de trop. Du vrai pissard de tigre. Ogu Badagui, Ogu Badagui, la corde coupée cordeau. Je m'excuse. Mesdames, messieurs, pour mon petit retard, vous savez, je suis toujours celui qui arrive sur le tard. Et puis, tout ce saint frusquin à revêtir, mon habit, mon haut de forme, mes doubles languettes, je veux dire mes lunettes. Enfin, nous arrivons à temps, et c'est l'essentiel pour la minute de silence. Je dis la minute de silence, la minute de vérité. Attention, vous tous. Cependant que les soldats accrochent une touffe de feuillage à leur shako, que barons et ducs retournent à qui mieux mieux leur veste, cependant que dans la ruine de ces contredanses et les débris de l'orchestre, le maître à danser, incarnant la civilisation outragée, proclame à tous les vents de l'histoire qu'il n'y a rien à faire avec les nègres, cependant que... Merci. Le roi est mort. Bernard Juste Hugonin, baron samedi, pour vous servir. Ogu Badagui. Ogu Badagui, Zenak Politico. Ogu Badagui. Ogu Badagui. Zenak Politico. Ogu Badagui. Ogu Badagui. La corde coupée cordeau. Ogu Badagui. Ogu Badagui, la corde coupée cordeau. Ogu Badagui.
Mango, Fudiago, Mayamba, Shango. Roi, nous t'installons à Ifé sur la colline aux trois palmiers. Roi, nous t'installons à Ifé dans les 16 rhombes du vent à l'origine biface. Ici, patience et impatience, défaite et victoire, faisceaux d'écailles à contre-jour, échangent leurs armes, leurs larmes, force de nuit, marée du jour, Shango, je te salue, oh, quand tu passeras par les promenoirs du ciel, monté sur les béliers enflammés de l'orage. Et ce pays t'aura refusé jusqu'à l'oreiller de mousse du crapaud. Et ton pays t'aura dénié la cave de boue du scarabée. Homme reculeur de bornes, homme forgeur d'astres, dure étreinte chaude, grand cœur dédié, froidi déjà dans la distance, défais-toi de ton orgueil de pierre, pour songer d'une petite vieille qui, claudiquant à travers poussières et pluies dans le jour ébréché, jusqu'au bout du voyage, glanera ton nom. Qu'on le mette debout dans le mortier gâché, tourné vers le sud. Non pas couché, mais debout. Qu'il se fraye lui-même de la difficulté de la pierraille et de l'industrie du rocher inventé de main d'homme, sa route. Et lui ayant trouvé tout seul sa stature, que la lune rouge, du bout de la flèche, suspende sa torche épouvantable. Duga ube yala ae. Laramani duga u duga ube yala. Kunando, kunando, kunando.